Bienvenue dans l'Instant Rouge et Jaune sur le plateau du HCCM. Vous vous posez sans doute des questions sur la situation actuelle du club. Un mois de novembre à huis clos, des lives en perspective, une reprise de la glace ce soir. Donc aujourd'hui, on fait le point avec Alain Bonnet, notre président. Voilà, bonjour Alain, comment tu vas? Bonjour Valentin, ça va bien? Vu les circonstances, ça pourrait aller un petit peu mieux, mais ça va quand même bien. J'imagine. Bienvenue sur le plateau des Rouges et Jaunes. Tous les présidents ont une séance vendredi matin. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette séance? Discussion entre autres pour continuer la saison, pour les différentes aides qui pouvaient être faites pour les clubs, et puis aussi les soucis par rapport à l'état sanitaire des différents cantons. Là maintenant, actuellement, on a pris la décision de continuer le championnat, ce qui nous fait maintenant déjà jouer un match ce soir à Turgovie. Donc le planning du sportif, on va y revenir, mais donc une décision qui a été prise le huis clos pendant le mois de novembre. La décision a été prise de jouer à huis clos jusqu'au 1er décembre et puis refaire un point sur la situation, parce qu'on sait pertinemment que le sport en Suisse n'est pas viable sans le public. Mais tant que la situation, l'état sanitaire de la Suisse ne va pas s'améliorer, je ne pense pas qu'il faudra compter à avoir du public dans les patinoires. Donc on pourrait imaginer une saison qui continue, mais à huis clos. Je pense que ce sera très difficile qu'on continue cette saison à huis clos, parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas viable sans le public, qu'on a quand même besoin de ces revenus jour de match, avec la billetterie, les cantines, plus aussi les spectateurs qui ont payé leur abonnement, nos sponsors qui ont demandé de la visibilité. Donc c'est très important pour nous de pouvoir jouer avec du public. Mais de l'autre côté, la situation sanitaire ne nous le permet pas, donc il faut trouver un juste milieu, mais allons une étape après l'autre. Donc une étape après l'autre, maintenant si on se positionne du point de vue du supporter, on a Danny Souter qui nous a posé une question. Salut Alain, au vu de la situation actuelle, n'y aurait-il pas une solution à mettre en place avec Canal 9 pour la diffusion des matchs de hockey qui se jouent à huis clos à domicile? Oui, c'est déjà quelque chose qu'on a pensé. Donc on était parti d'abord sur un streaming. Maintenant, notre partenaire télé MySport, qui a les droits sur la National League et la Swiss League, nous a contacté tous les clubs de Swiss League pour justement retransmettre plus de matchs en direct. Donc ça, ce sera quelque chose de positif pour nos supporters. Et puis s'il ne devait pas y avoir des matchs en direct, on va travailler en parallèle avec du streaming fait maison, ou aussi avec une collaboration avec Canal 9. Donc ça, ce sera en deuxième étape. Donc pour résumer, on aura des matchs qui seront diffusés en live sur MySport quand MySport viendra. Quand MySport ne viendra pas, c'est le HCCR qui va proposer son propre live pour les abonnés. Et après, à voir s'il y a des collaborations qui vont pouvoir être effectuées avec Canal 9. Oui, tout à fait. Le but, c'est quand même de... On a besoin du public dans la patinoire, mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Donc le but maintenant, c'est au moins de donner la possibilité à nos abonnés de pouvoir voir les matchs. Surtout que le HCCR a fait un très bon début de saison, donc c'est d'avoir cette possibilité pour tout un chacun de pouvoir voir les matchs du HCCR à Graben, avec peut-être aussi des matchs aussi à l'extérieur selon les diffusions de MySport. Un très bon début de saison du point de vue du sportif. Je vous mets à l'image le programme du mois de novembre. Donc ce soir, un déplacement à Turgovie, et après une semaine chargée, un mois chargé. Oui, tout à fait. Déjà, normalement, cette semaine, c'était la semaine de la pause de l'équipe nationale, qui est bien sûr qui est tombée. On a eu aussi des matchs reportés à cause de la quarantaine du HCR ou de la quarantaine d'autres clubs. Donc maintenant, on a une très grosse semaine avec trois matchs, deux matchs à l'extérieur, plus un match dimanche ici à Graben. Et on se réjouit en tout cas de revoir l'équipe jouer après ces 10 jours de pause. Et puis à noter que pour les matchs à l'extérieur, on a regardé avec le directeur sportif Christophe Lay pour avoir des insights qui apportent une réelle plus-value pour qu'on puisse rester en contact des joueurs. Donc même les jours de match à l'extérieur, consultez notre page Facebook pour rester au contact de l'équipe. Sinon, toujours dans ce concept sanitaire, donc en coulisses, on a mis en place des concepts sanitaires qui ont été validés, approuvés par le canton. Ça a pris beaucoup d'énergie. Mais au final, on se retrouve à huis clos. Est-ce qu'on aurait fait quelque chose de faux? Ouais, c'était un petit peu le côté frustrant de cette annonce du huis clos. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'énergie, autant en personne que financier, pour mettre ce concept sanitaire en route.
Après, c'est clair qu'on a eu les félicitations de l'État parce que les concepts ont bien été respectés. Mais malgré cela, on comprend aussi que les grands événements font déplacer beaucoup de gens. Donc, par rapport à tout ce qui se passe et l'actualité sanitaire avec le nombre de cas qui augmente de jour en jour, il y a eu cette décision de faire du huis clos. Mais c'est en tout cas pas d'incidence avec les concepts sanitaires qui ont été mis en place par le HSIR. Ok, merci Alain. Dernière question, je vois qu'il y a une coupe derrière toi, mais il y a aussi une coupe derrière moi, donc c'est laquelle la vraie? Ah, la vraie, c'est celle que tu as derrière toi. Ça, c'est l'original. On a reçu une petite coupe. Normalement, c'était la petite coupe qu'on pouvait garder. Mais comme certains joueurs, lors du sort de la promotion, l'ont fait tomber, on a pu garder parce qu'elle est cassée. Le socle qui est cassé. Donc il a failli la casser pour la garder, donc c'est une bonne nouvelle au final. Merci pour ta présence, pour ton retour, et puis on reste en contact. Merci à toi Valentin, merci à tous les supporters, à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Je crois qu'on a reçu aussi de ton côté, Valentin, beaucoup de messages d'encouragement. On vous remercie beaucoup et puis on se réjouit de pouvoir de nouveau vous accueillir à Gravelines le plus tôt possible. Merci à tous. Effectivement, je vous confirme que nous recevons une quantité de messages positifs, des messages de soutien de votre part, de la part des abonnés, des sponsors, et je vous dis mille fois merci pour votre soutien. Pour la semaine prochaine, qui sera notre invité? N'hésitez pas à commenter sur la vidéo et peut-être qu'on pourra répondre à vos désirs. Rendez-vous mardi prochain, même heure, votre passion, notre force.